Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant 45 minutes avec Kyle Webster. Bonjour Kyle. Bonjour, salut. Bienvenue à toi, bienvenue à tous les gens qui nous rejoignent pour la première fois sur la chaîne YouTube Adobe France ou sur behance.net/live/fr. Si vous nous suivez du côté YouTube, je vais vous donner le petit lien pour nous rejoindre du côté Behance, parce que sur Behance, en fait, c'est là où se passe toute la conversation, c'est là où on retrouve tous les artistes, les portfolios, les profils des gens qui nous regardent régulièrement. Et je vais vous remettre le petit planning de la semaine en vous faisant un premier petit sondage. Est-ce que vous étiez avec nous les trois derniers jours, lundi, mardi et mercredi à 14h, puisque nous étions avec Caroline Blanchet, petite KO, et qu'elle a développé pendant ces trois jours une affiche. On a démarré dans Fresco sur iPad, on a complété dans Photoshop avec de l'animation, avec des ombrages, avec des petites déformations justement sur le projet. Donc ça, c'était les trois derniers jours. Si vous étiez là, faites-nous un petit coucou. Normalement, je devrais reconnaître vos noms, puisque bah, je suis un petit peu attentif. Je vois qu'il y a Delphine, Franck, Christelle et Thierry qui sont là. Je vois qu'il y a Thomas aussi de l'autre côté. Et on continuera la semaine, hein, bien entendu. Jeudi, 14h, je vous ferai un tour de texte à l'intérieur de Photoshop. Et vendredi, 14h, ce sera un tour dans XD, non, Adobe XD. Et aujourd'hui, on est mercredi, il est 16h. Je reçois Monsieur Kyle Webster. Et Kyle, dis-moi, qu'est-ce que tu nous prépares de beau aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on va utiliser les nouvelles brosses pour Photoshop qui viennent d'arriver pour tout le monde. C'est Winter 2022, l'hiver. Et on va utiliser ces brosses pour créer des formes. Et après, on va regarder les formes et on va dire, mais est-ce que ça veut dire quelque chose pour moi? Et je peux créer quelque chose avec ces formes? Ou est-ce que je peux utiliser ces brosses pour ajouter quelque chose à un dessin de n'importe quoi? On va simplement faire des expériences et voir qu'est-ce qu'on va créer. Je ne sais pas. C'est complètement dans l'air. Très et bien. Je veux dire aussi que j'ai vu l'affiche que tu viens de parler de cette affiche et c'était super bien fait. Et wow, j'étais blown away, comme on dit en anglais. Soufflé. Estomaqué. Ouais. C'était super. Ok. Alors, pour Pascal qui nous dit je n'ai pas vu les précédentes vidéos, je vous ai mis le lien si jamais vous en avez besoin. Je vous mets les liens et on peut échanger dans le chat. Voilà, c'est juste pour mentionner ça. Vas-y, j'ai partagé ton écran. On est parti pour presque de la sculpture cette fois-ci. Ok. Pour ces brosses, il faut avoir ces brosses et pour faire ça, il faut utiliser le lien qui est dans the brushes panel ici. Vous avez des brosses et si vous allez ici juste là-bas dans le coin ici, vous allez voir get more brushes. En français c'est quoi encore, Franck? Obtenir plus de pinceaux. Merci. Vous pouvez voir peut-être que moi j'utilise Photoshop en anglais maintenant. Et vous tapez là et vous allez voir ça. Et je partage mon écran ici. Et vous allez voir que après que vous utilisez vos usernames et passwords, vous allez voir plus de 1900 brosses. Et voilà. Beaucoup, beaucoup de brosses. Et toujours, on met en haut le groupe de pinceaux qui est nouveau. Et vous pouvez voir ça ici, Winter 2022 Brushes. Et vous pouvez télécharger, c'est ça le mot, non? Oui, télécharger. Ces brosses ici. Et ils vont simplement apparaître en Photoshop. Voilà, Winter 2022. Et aujourd'hui, je vais utiliser ces brosses pour faire des dessins. On va commencer maintenant. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et on peut vous aider. D'accord? Nickel. Moi, ça me va et je te relis le chat
dès que les gens nous disent des trucs dessus. Et comme d'habitude, si vous avez des idées pour des illustrations et vous aimez que j'essaie de le faire pendant cette émission, vous pouvez les mettre dans le chat aussi et Franck peut me dire ce que D'accord. vous voulez et je vais essayer de vous plaire. OK? Donc je vais leur demander d'envoyer des suggestions de thèmes. Hop. Comme ça, ils seront avec nous. Et aujourd'hui, c'est simplement des formes, mais on peut, si vous voulez, avoir des autres thèmes. On vient de faire des illustrations de sport. Et si vous voulez que je essaye de faire des trucs avec du sport, je peux faire ça aussi. Pourquoi pas? J'aime bien faire des illustrations du sport. On a même fait quelque chose avec ça il y a maintenant peut-être 2 mois, je crois, Franck, ou peut-être moins que Ouais, ça, mais. on a fait ça et je vous ai mis un petit récap. Vous pouvez le trouver dans la description. Je fais un récap que j'actualise au fur et à mesure. Et le sport, c'était le 16 novembre, où on avait 16 eu novembre, trois voilà. illustrations. On avait eu du foot, du parachutisme et du tennis. On avait suivi les Je me recommandations et rappelle. les demandes du Parachutisme, public. c'était bizarre, ça. Ah, c'était cool. Comme, C'était rare. ouais, comme une idée, ouais, c'est rare. OK. Normalement, j'utilise ces brosses comme ça pour les arbres. Vous pouvez voir, comme ça. Mais je vous donne les autres idées pour utiliser ces brosses. Alors, comme par exemple, si je fais ça, je peux me dire, ah, c'est un loup, peut-être, non? Ouais. Et c'est que de. How do you say tail? La queue du loup. Un loup. Je peux continuer. Comme ça. Et. Comme ça. Et comme ça. Comme ça. Et simplement. Ajouter Je vois que dans le chat, il y a Caroline Blanchet qui est avec ah, cool. Caroline, l'affiche était magnifique. Magnifique. nous. Vraiment impressionnant. J'ai adoré. Trop cool. Tu sais qu'elle a travaillé pour la NBA aussi, elle a travaillé pour la Ah, NFL, elle travaille pour vraiment? beaucoup de fédérations de sport. Waouh! Mais ça ne me surprend pas, c'est ça Ouais. le mot? Jure, c'est dur le français pour Monsieur Kyle. Mais je trouve que tu t'en sors vraiment très bien. Ah, merci. Ah C'est beaucoup plus dur quand je dessine en même temps, tu sais? bah oui, c'est normal. T'as qu'un seul cerveau en fait. Mais tu peux voir comment c'est facile de faire quelque chose comme ça, simplement utiliser une brosse qui est normalement pour les arbres, mais pour ce dessin, pourquoi pas faire un loup. Et c'est parfait pour quelque chose comme des livres pour les enfants Ouais. ou n'importe quoi, peut-être une affiche, je ne sais pas. Et oui, je peux ajouter avec les crayons qui sont dedans. On a 3 crayons qui marchent en Photoshop, mais ils ne marchent pas en fresco, je suis désolé. Et D'accord. la raison pour ça, c'est parce qu'ils sont un type de pinceau très spécial qui marche seulement en Photoshop. Il ne marche pas dans des autres compétiteurs, comment dire, de Photoshop. Dans les autres applications Non. chez la concurrence. Voilà. Seulement en Photoshop. Et c'est Erodible Ah Tips. oui, C'est un les type pinceaux qui de. s'usent. Oui, exact. Mais tu peux, si tu veux, tu peux annuler cette. Comment dire. Tu ne dois pas utiliser cette partie de ces brosses. Cette. Ouais. Si tu veux désactiver cette fonction-là, ce paramètre, on peut enlever le. On peut faire que les pinceaux vont s'usent quand ne s'usent pas, pardon. Oui, exact. Je vais choisir ça, Variant Tilty Ok. Pencil, et j'appelle ça parce que tu peux utiliser tilt, et ça veut dire, tu sais, quand Qui penche? toi, t'as dit quoi? J'ai dit qui penche. Qu'est penche? Pencher. Pencher, Être penché, voilà. c'est être en oblique. Voilà, oui. Alors, je fais ça,
Je vais faire des marques comme ça, oui, et comme ça, avec la même. Right? Et c'est très similaire à crayon en fresco qu'on peut utiliser, mais c'est ici en Photoshop. Marche très bien. Et je peux utiliser pour faire peut-être des. Ah, les petites traces de pas. Le Ouais. loup qui se déplace à pas de loup, comme on dit. Et je peux même ajouter juste un peu de atmosphère. De l'ambiance. Voilà. Une atmosphère, une ambiance. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Alors, beaucoup d'arbres, mais on peut utiliser les arbres pour des autres choses. OK? Et on va essayer ça, par exemple. C'est bien. Et si je fais ça, je peux taper n'importe quelle direction. Ça va bouger avec la direction du stylo. C'est Et c'est bien pour faire des trucs comme des patterns. Qu'est-ce qu'on dit Des pattern? Ouais. motifs. Des motifs, merci. Motifs. Et je peux utiliser aussi le lasso. Oui. Et ajouter une forme comme ça. Et puis, faire des trucs comme ça. Et c'est bien pour ça. Je vais. Montrer. Créer. Un arbre. C'est dans la Caraïbe. Dans les Caraïbes, Caraïbes. Caraïbe. C'est ça en français. Caraïbe. Le retour des palmiers. Ouais. Changer de direction. Comme ça. Ah, ça marche Comme bien. ça. Comme ça. Hop, 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 hop. Nice. Et c'est très facile. Vais mettre ça ici. Et encore, utilise le lasso. Alors, je vais faire ça même moins plus enfin, maigre. Et qu'est-ce qu'on peut utiliser encore? On a beaucoup, beaucoup d'options. Peut-être ici, tree stack 9. Utilise un peu de blanc. Et encore et noir. Voilà. Et ici, on a ce poste qu'on utilise normalement pour les scènes d'hiver qui s'appelle Winter BG. Ça veut dire background, tu sais? C'est pas beau gosse. On va bientôt pouvoir refaire le front cover de The Cure, Boys Don't Ah oui, Cry. j'ai des souvenirs maintenant des années 80, tout seul dans ma chambre, en train de penser des filles qui ne voulaient pas sortir avec moi et Ah là là, et du coup t'es tout seul devant ton ordinateur oui. avec ton stylet. Bah oui. Mais finalement ça fait des super images, donc moi ça me va. Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Ça fait des super images à la fin, donc c'est bien. Ah oui. J'ai souffert, souffert, c'est ça? Souffert, Pour souffert. souffrir.
Pour une bonne raison, un bon résultat. Hein? C'est ça. Enfin. Maintenant, du gris. Ajoute. Ça. Ajouter des nuages. Et puis, bien pour une sorte de scène, juste pour commencer, une illustration. Et après ça, tu peux ajouter les autres détails, même avec encore le lasso, si tu veux. Et utilise toujours cette brosse, et comme ça, la texture va être consistante. C'est Tu vas avoir une cohérence d'une partie à l'autre de ton image. exact. Alors, du coup, je vais vous faire mon petit sondage habituel pour les gens du chat. Est-ce que vous êtes illustrateur? Est-ce que vous utilisez des brosses texturées? Et notamment, est-ce que vous utilisez les pinceaux de Kyle? Un petit oui, un petit non dans le chat. C'est le moment de nous dire. J'aime toujours montrer aux gens, j'espère, des idées pour utiliser ces brosses dans une manière que normalement, peut-être que vous ne pensez pas à le faire. Et c'est ça le but, juste pour donner des idées. Pas nécessairement pour créer quelque chose d'incroyable comme illustration, mais j'espère que les gens ils vont regarder quelque chose comme ça et dire, ah, mais ça, c'est quelque chose, j'ai jamais pensé à faire ça et je vais essayer moi-même comment travailler et voir est-ce que ça marche pour moi. Non, mais carrément. Des fois, ça marche. Des fois, même des fois, j'espère qu'il y a des gens qui ils vont créer un nouvel style. Qu'ils peuvent utiliser pour leur travail professionnel ou n'importe quoi, je ne sais pas. Et pourquoi pas avoir des petits oiseaux dans le ciel, comme ça. Trop. OK, fini! Écoute, ça m'a l'air vraiment pas mal. Je vais faire une petite capture d'écran parce que tu sais, j'aime bien envoyer aussi en parallèle à tous les gens sur les réseaux, genre venez voir ce qu'on est en train de faire maintenant. Et ça plaît bien, ça attire le chaland. Et c'est pas Oh. juste pour placer le prénom de chaland. Excellent. T'as vu? C'est session illustration avec référence. N'y a pas de référence. Non, Il n'y a pas de référence avec Chaland? non, juste une idée. Je sais pas du tout. Yves, c'est Yves le prénom de Chaland. Il me semble, hein? Yves. Ouais, c'est ça son prénom, non? Ouais, c'est ça, c'est Yves. Enfin, c'était. C'est quoi le nom dernier? Dans notre famille? Le nom de famille, c'est Chaland. Chaland. Ah, oui. Challenge, maybe. Yes, je connais, oui. Voilà, parce que Cool. toi, en grand utilisateur de la ligne claire, Oui. je suis sûr que ça te parle. Le jeune Albert. Cool. Alors, là, c'est le deuxième. Maintenant, on va faire un autre. Qu'est-ce qu'on a? On a des trucs comme ça dans ce groupe de brosses. C'est pour faire des. Je ne sais pas le mot en français. Des lianes, Tarzan. Partie d'arbre qui est petit. Branche, on dit branche ou pas? Il y a les branches, il y a le tronc. Mais branche, voilà. Des branches, juste des branches. Comme Ok. ça. Parce que pour moi, c'est j'aime faire ça. Je touche simplement, juste tape. Ah, comme ça, Comme elles se ça. rejoignent.
Oui. Et j'imagine comme ça, on a le terrain, tu sais. Et puis, je peux faire quelque chose comme ça. Je peux ajouter Ah, c'est trop forme mignon. comme ça. Et puis, tu peux encore, si tu veux, utiliser Le winter. un brosse comme ça, juste pour ajouter des failles. Tu sais? Comme style, c'est très utilisant, utile, pardon, pour des livres, pour des enfants, pour les illustrations qui ont un Des trucs style qui comme sont vraiment ça. stylisés en fait, où on n'est pas sur du réalisme. Exactement, exactement. Ça marche très très bien. Et tu peux le faire en anglais aussi. Alors si j'utilise maintenant, si c'est les marques positives, on peut faire négatif aussi. Comme par exemple, si maintenant dans le en arrière, je peux faire la même chose, mais je veux juste taper ici. Et maintenant, j'ai blanc. Ah bah oui. Et je peux ajouter les. Partie comme ça et même rose. Et comme ça, tu peux faire comment dire, pas calques, mais comme des calques, tu Ouais, sais, tu peux tu fais des plans de perspective en fait. plan perspective, exactement, c'est ça, les plans de perspective. Et Et tu continuer fais à du faire ça. multiplan, Disney multiplan de caméra. Oui. Ah oui. J'ai vu le vrai, tu sais? Tu as vu physiquement le vrai, pas juste Oui, de la exactement. fameuse vidéo classique. Oui. Je suis allé au Disney, c'était en 19, juste avant La fin pandémie. du monde, Fin du monde. ouais. Et c'était trop cool, ils avaient ça c'était dans une chambre juste pour regarder. Avec les plans de verre, tu sais, Ouais, je vois dans tout ce à fait. lot. Ouais. Il y a toujours d'ailleurs sur YouTube un reportage qui fait 7-8 minutes sur le Disney Multiplane Camera, qui est vraiment Oh, bien cool. et qui montre vraiment tout ça, où on voit en fait l'innovation de ce truc. C'est-à-dire qu'on voit les différents plans, on voit les différents cellophanes. Les Oh, cellos wow. sur lesquels il y a Mickey qui bouge, et ils expliquent en fait toute la complexité de ce qu'ils arrivaient à faire en déplacement, notamment sur la profondeur de champ, les arrivées avec toutes les séries d'arbres, c'est complètement, complètement fou, les petites manivelles et tout. J'adore la technologie qui est plus ancienne comme ça et comment ils étaient beaucoup je ne sais pas Manuel, comment dire, mais c'est. organique. Ah oui. Ça me. Ouais. J'adore ça. Ah mais c'est ça. Moi j'ai pas vu celle de Disney, j'ai vu celle de Ghibli. Ah, Parce qu'ils ont cool. le même type de caméra multiplan de banc-titre pour pouvoir Ça faire pas? les bah, tous les premiers Ghibli étaient faits comme ça. Oh wow, I didn't know that. Alors, Toute simple. notre famille adore ces films, Miyazaki et tout ça. Ouais. Hey, hello Emma. Tiens, j'ai une question de Thierry, juste pour toi, Kyle. Est-ce que tu peux remontrer où on télécharge les brosses de Kyle Webster? How to get Oui. more brushes. Juste qu'il voit dans le panneau brosses, dans le petit panneau avec le pinceau, il y a un petit bouton dans le menu sur le côté. Et en anglais c'est Voilà. Get More Brushes et en français c'est Obtenir plus de pinceaux, tu vois. Donc dans le panneau pinceau, voilà, ici. Et là tu pourras aller chercher. Mais c'est bon, on les a et il faut les trouver. Et voilà. Merci beaucoup. C'est Sympa, ça. vraiment pour Thierry qui a oublié comment ça marchait. Ah, ok.
Et j'ai eu les réponses à mon sondage, hein, sur les gens qui utilisaient des brosses texturées de Kyle et tout. Donc tout le monde m'a, enfin, Hugues, Christelle, Caroline, Yves me dit oui, non seulement j'utilise ça, mais j'utilise aussi ces idées, me dit Yves. Ah. Alain me dit complètement, j'utilise le Megapack, on a tout ce qu'on veut, j'utilise beaucoup les brushes watercolor. Alors attention, le Megapack, c'est pas comme les packs individuels, hein. Il y a des redondances, il y a des trucs différents. Oui, faut qu'il dise les. Est-ce qu'il a dit qu'il a des brosses de watercolor ou simplement des brosses watercolor dans le Megapack? Je pense qu'il parle des brushes watercolor du Megapack. Ah non, mais regarde, Ah, il y a le watercolor, Real il y a plus que Watercolor. 100 brosses différentes. Ah, mais il faut faire un Plus que choix. 100. Faut utiliser ces brosses parce qu'elles sont trop, trop amusantes. Oui. Je n'utilise que Regarde, Washi Warren. chose comme ça. Ah, Washi Warren, j'aime bien. C'est nommé pour mon père, Warren. C'est ce que tu m'avais dit. Ouais. Mais voilà, c'est watercolor, aquarelle. Ouais, c'est magique. Et on a même des trucs qui sont. Et ça s'appelle stain. Des taches. Ouais. On pourrait aider. Des trucs comme ça. Et puis, les marques comme ça. Alors, on est complètement fashion. Oui. on a un spider spread qui fait des Ah ouais. trucs comme ça. Et ça, c'est quand tu commences à poser un torchon sur ton un tissu sur l'eau. Oui. Et j'ai utilisé encore le crayon. Le fameux crayon qui se penche et qui s'use. C'est marrant ce réflexe de dessinateur, justement, de pas faire les accidents, tu sais, de pas t'embêter à avoir les 5 doigts alignés ou. C'est ça que j'aime bien aussi. D'où l'intérêt des sessions avec Kyle. On retrouve plein de trucs. Et Christelle nous dit c'est fashion show Fall Winter 23. Oui. Ah non, j'aime pas ça. Sais, je peux changer d'avis. Bah, j'espère bien. Des choses que j'adore, d'utiliser des méthodes digitales. Numérique. Numérique, Non, c'est pardon. numérique le Numérique. digital en français. Faut arrêter Ah, d'utiliser numérique. digital. Digital. Digital, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose Digital, avec c'est avec le tes doigt. doigts? C'est ça. Voilà. Logique. Et on va peut-être faire ça. On va ajouter. J'utilise les lassos beaucoup. C'est évident. Je vois ça, ouais. Moi, je suis pas fort en lasso. C'est pas mon Si, outil. si. Une chose très importante, c'est avec tous ces brosses, vous pouvez changer comment ils font des marques et comment ils peint, n'est-ce pas? Alors, avec ça, par exemple, Tree Stack, j'ai utilisé ça, mais pas avec marque qui est si foncée, Ouais. non? Et je vais changer l'opacité de ça. Et c'est facile parce que aussi, je peux. Ici, pardon, je peux changer de flow. En français, je ne sais pas ce que c'est, flow. Le flow, ils le traduisent comment? Attends, j'y suis. Hop, ils le traduisent par. Attends, je vais prendre une vraie. Je vais prendre le même que toi. Tac. Flux. Ils ont traduit ça par flux. 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 Et regardez comment ça change les marques. Alors,
quand c'est normal, c'est comme ça, quand c'est à 100%, non? Mmh. Je veux pas ça. Mais simplement changer comme ça, peut-être on va perdre 50. Tu vois? Ouais. C'est très subtil. Et comme ça, j'ai le résultat que je veux. Je peux ajouter, 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 ajouter. Et c'est plus subtil et je peux. Oui. Et je sais que tu nous avais fait, alors ça, je vais vous remettre le lien pour ceux qui ne l'avaient pas vu, parce que tu as une chaîne YouTube, Kyle Webster, et sur cette chaîne, tu t'avais fait des trucs et astuces assez courts, et notamment, il y avait la fameuse différence entre le flow, le flux et l'opacité. Oui, oui, Ça, oui. et ça, c'est Faut. tellement obligatoire, quoi. Faut savoir la différence. Faut comprendre comment ils sont différents et comment et pourquoi moi, je préfère, normalement, pour faire des peintures, pour faire des dessins, tout ça, j'utilise seulement flux, parce que avec l'opacité, vous êtes limité immédiatement et vous n'avez pas des options. Mais vous pouvez regarder cette vidéo sur mon chaîne et ça va être plus clair, différence entre les deux. Mais oui, c'est important de comprendre pourquoi. Pourquoi l'un et pas l'autre? Enfin, pourquoi l'un ou l'autre d'ailleurs, parce qu'on a tout à fait Ah le oui. droit de Bien sûr changer. qu'il y a des raisons pour utiliser seulement l'opacité, des fois, ça dépend. Je peux faire ça. Je peux même faire ça. Free Transform, je l'adore. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils ont sur la tête? Qu'est-ce qu'il a sur la tête? Est-ce que c'est un chapeau? C'est les cheveux? Je ne sais Est-ce que pas. c'est un chandelier? Est-ce que ce sont des fruits? Est-ce que c'est... Chandelier. Tout à l'heure, on parlait d'un cerf. Reindeer. Une chose que j'aime bien aussi. Ah oui. C'est d'avoir une forme très claire comme ça, c'est net et tout. Mais je peux faire ajouter un peu de couleur dedans, tu sais. Et ça change la qualité de cette forme. Maintenant, c'est plus. Et le fait de ne pas travailler sur un noir pur, ça te donne un petit peu de... Ça donne une autre direction à cette illustration. Voilà. Alors, illustration 2 sur 2 sur 3. Over ou not over? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça et on a juste fait une démonstration là-bas et le loup. Et attends, tiens, remets. Est-ce que ton panneau blushes? On n'a pas regardé Flaky Ah, et petits Winter flocons. Sticks, Les petits flocons, flocons oui. de neige. Voilà. Il y a cinq options différentes mais qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? On peut faire de la neige, bien sûr. On peut faire des autres choses, n'est-ce pas? On a même l'option pour faire des types différents, des focages différents dans un groupe. Ici, c'est Flaky Mix. D'accord. Comme ça. Mais alors du coup, ils sont quand même tous dans le groupe. Il va pas, tu, on n'a pas d'option dans Photoshop pour avoir plusieurs tampons, different stamps in the same brush. It doesn't Pas encore. exist. What? Mais tout le monde réclame. Ah. Donc, c'est cette année, j'ai des trucs que je peux faire avec des équipes. Ah. J'ai essayé de faire ça l'année dernière, avant même, avant ça, mais ils sont toujours très, très occupés, tu sais, Bien sûr. avec Photoshop sur l'iPad. Ils n'ont pas le temps, ni les gens. nécessaire Il faut plus de pour développeurs, plus de voilà mais cette année je crois que c'est l'année qu'on va révolutionner la commencer peinture. à ouais.
Je suis, oui, un optimiste. J'espère que. Ah, on a même des montagnes, tu sais. C'est facile à faire petit groupe comme ça. Et même en fresco, tu peux voir la marque que vous avez, que tu peux faire avec la brosse avant que tu touches complètement sur l'écran. Mais il faut que tu. Comment dire, faut le, you have to turn this option Ah on. oui, c'est une option pour avoir Oui. l'affichage du curseur. Et ça, Oui. tu l'as dans les dans les la roue crantée de Fresco. Et vous pouvez l'activer ou ne pas l'activer. Oui. C'est un peu comme dans Photoshop, si tu fais caps locks, si tu fais Oui. verrouillage Maintenant, c'est majuscule, tu simplement vas avoir juste la le pointe, c'est ça, plus hein? sign. Oui. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est quand tu fais de la retouche précise, t'as peut-être pas besoin de voir la forme de ton pinceau. Oui. Mais du coup, on a ça aussi dans Fresco, c'est une bonne nouvelle. Il nous reste une grosse dizaine de minutes, tranquille. On est bien. Combien de minutes? 10 minutes? Ouais. Pas de 10 problème. minutes, une illus. Ah, parce que vous avez vous vient vous êtes dans une semaine de De sport. sport. De sport. Je peux faire quelqu'un qui fait snowboarding. Qu'est-ce qu'on dit en français pour snowboarding? On dit snowboarding. On dit pas chaise neigeuse. C'est pas du tout comme ça. Alors, quelqu'un qui fait snowboarding. Et pour ça, je vais utiliser un des crayons ici. J'ai dit avant, il y a trois options. Ils sont tous différents. Même, pas seulement avec la marque qui est différente, mais c'est aussi la texture qui est différente. Ouais. Pour ça, c'est assez C'est rough. presque sur un mur quasiment, sur un. It looks more like stone than paper. Ça a l'air plus d'être un mur presque que qu'un papier ou qu'un. C'est le papier qui est très, très rough. Qu'est-ce qu'on dit? Brut. Il est vraiment. Croûte, Ouais, ouais. brut, très matière, très. Ouais. Et on a un deuxième qui est plus. It's a little softer. Hein? Et aussi, la marque est moins bumpy. Plus, ouais, elle accroche moins, elle saute moins. Et troisième est similaire de crayon en fresco. Alors, trois options. Et on va faire snowboarder. Ok. Ok, alors, commence avec snowboard. Ok. Et on va ajouter les jambes. Il y a Delphine, spécialiste du parachutisme, qui nous dit, on dit aussi planche. Planche, ok. Mais pour moi, faire la planche, c'est tu t'allonges dans la piscine. Oui. Pas du tout, tu fais du snowboard. Mais après, je suis pas spécialiste du ski. Je suis spécialiste de la raclette.
Et l'autre bras et l'autre main. Nice. En tout cas, j'ai été repéré sur l'histoire de la raclette. Caroline Blanchet nous dit la raclette avec une bonne planche de charcuterie. Mais oui. Voilà, on y est. Je savais qu'on allait retrouver un thème. La dernière fois que j'avais raclette, c'était en France. Bien sûr, c'est une spécialité locale. Et c'était dans quelle ville? C'était où Ville de est-ce que montagne ou j'étais? c'est ou pas du tout. Non, j'étais. On a fait du stop. Fais du stop et la raclette, c'était pas dans la voiture. Non, mais le mec qui nous a emporté à Bordeaux, nous a emporté à Bordeaux et il nous a invité à dîner avec sa famille Trop bien. chez lui. On a eu la raclette. Trop sympa. Et du vin, bien sûr. C'est la moindre des choses. C'était excellent. Et tu sais, j'aime faire ça, je peux ajouter un peu de De couleur. matière textile. Parce que c'est vraiment comme un crayon Mmh. et facile à ajouter des marques comme ça. Ce que je voulais faire des fois, c'est simplement de faire des dessins que si je montrais quelque chose comme ça à quelqu'un sur un papier, si je Mmh. l'imprime, Ouais. j'espère toujours que ça on a l'impression que c'était fait avec crayon sur papier, Mmh. pas Wacom sur C'est vert. ça. Ouais, y a vraiment un degré de réalisme des brosses maintenant qui est assez fou. Ce n'était pas toujours comme ça. Quand j'ai commencé à faire des dessins sur le nature, ce n'était pas Mmh. comme ça. Et ça a changé. Heureusement. Et voilà. Nice. Fini. Ben la Ok. voilà la brosse sapin. Ok. Super. Est-ce que ça vous plaît, cher public? Les gens, vous êtes toujours là. Ils sont en train de tous discuter siège, hein. Tire-fesses, télésiège, les téléskis, etc. Tout le monde est en train de penser au ski, là. Ok, un, deux, non, deux, Alors attends, fais un commande zéro qu'on voit trois. bien. Ok, comme Ok, ça. ouais, ça c'est bien. Le loup. Donc ça, c'était le premier, le loup. Ensuite, t'as la Oui, plage. loup, plage. On a fait des expériences avec les Les petits autres arbres, ok. profs. On a cette personne, je sais pas Sur ce la mode. que c'est. Et la personne avec Le snowboard. snowboard. Nickel. Est-ce qu'on demande aux gens, c'était quoi votre préféré? Dites-nous un petit genre, mon préféré, c'était... Et on fait un vote à main levée pour savoir dans quelle direction on part pour la prochaine session qui aura lieu dans 2 semaines. On peut faire la plage la prochaine fois.
Ah, tous à la plage, on sera début février, ce sera parfait. Nickel. Yves nous dit maintenant il faut trouver des papiers sympas qui fonctionnent dans nos imprimantes. Christelle nous Oui. dit j'adore le point de vue. Kevin nous dit que c'est super beau. Delphine demande si on pourrait pas aller jusque 16h. Non, pas tous les jours. On peut pas à chaque fois aller jusque 16h. Il est 17h en plus. Il sera bientôt 17h. 2 et 4. Snowboard, snowboard. Tout le monde a adoré le snowboard en tout cas. Nickel, c'est Snowboard. top. Ouais. Voilà, faudrait presque faire, tu sais, une série avec de l'animation dessus. Et ça, c'est typiquement le genre de petite animation qui doit être facile à faire avec les éléments flottants sur Fresco. Tu sais, où Oui. tu fais du paf animation juste sur le personnage qui danse un petit peu. Oui. Ça, ce serait cool. On peut faire un peu d'animation la prochaine fois qu'on est ensemble, si vous voulez. Mais carrément, carrément. En tout cas, bah merci à tous ceux qui nous suivent au quotidien, tous ceux qui étaient là avec nous depuis lundi sur les sessions de Caroline. Merci à ceux qui sont là toutes les 2 semaines sur les sessions de Kyle. Vous avez tous vu les autres sessions, hein, vous les retrouvez en bas dans la partie illustration, soit dans Photoshop, soit dans Fresco. Et on continue tranquillement notre chouette semaine de petits live stream pour pouvoir vous donner le plus d'informations possible sur vos applications préférées. Donc jeudi, Photoshop, on parlera de texte avec moi demain, du texte, de la typo, des choix de fonts, de caractères, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place. Et vendredi, on sera dans Adobe XD, pardon, et on fera de l'interactivité, des animations. On verra comment on peut utiliser les composants pour animer d'un état à l'autre. Merci à toi, Kyle. Thank you. Merci. Merci à tout notre public de gens sympathiques qui nous suivent depuis le début de la semaine. Et puis, ben, bonne soirée. Bye bye. Ciao, bye.